J'espère que t'as pas fait n'importe quoi avec l'argent que je t'ai envoyé quand même. Quoi? Tu m'as envoyé combien? Je sais plus, mais je t'ai envoyé de l'argent. Ah ouais? C'est vrai? Et ouais. Moi, tu m'as payé mes subs que t'as perdu le duel du coup? Ah bah oui, on attend ça. T'étais pas censé me les payer, Six? Enfin, lui les payer? Ah si, c'est à moi, oui, c'est vrai, c'est à moi de les payer en plus. Ouais, mais faut que tu sois en live, je te vois jamais en live moi. Ah d'accord, bah oui, c'est peut-être parce que t'es pas follow. Ah merde. Remember it. Et bah du coup on peut faire ce que tu voulais faire. Bah ouais, s'il y reste les 40 minutes, est-ce que ça va? Est-ce que je vais avoir le temps? Laissez-moi juste réfléchir. Parce qu'il y avait une volonté de tester un petit peu, comme on l'avait dit la dernière fois, quoi. Hein, de faire un petit test, quoi. Hein, de voir un petit peu un contrôle des acquis sur la seule map que vous avez vue sur les deux derniers mois, ça me paraît être pas mal. Bah écoute, coach, si tu décides d'une interro, c'est une interro, hein, c'est normal. Hein. Ouais, j'en avais parlé la fois dernière. Hein, c'était pas... Elle est plus vraiment surprise, du coup, là, l'interro. Et du coup, vous êtes préparé? Oui. Bien sûr. Ok. Non, si, on est prêt, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'on va, on va réussir haut la main. Non, bah, ça me fait plaisir d'entendre ça, d'avoir de la confiance. Du coup, on va partir tous ensemble, vous allez voir. Ça va être sympa. Tu pars dans le main, tu me fais tous les calls. Ok. Ok, donc on commence. Du coup, on est dans le main. On est dans school. Ici, on a le garage. En face, on a le flag. On va partir Z. On arrive ici, couloir sécu avec la sécu. En face, on a le couloir douche ou yellow, selon ce que vous voulez l'appeler. Ici, on a le dining. Arrivé ici, on a la tour grise. Là, du coup, on a kitchen. Mmh. Ici, on a green, on a le backstage, la scène et donc du coup meeting. Là, l'endroit derrière, là dans le main, tu l'as dit aussi, ça là que tu vises. Ça là, oui, school. Ok. On a du coup storage, laundry, ici, back laundry, oui, j'ai peut-être un doute. C'est une interrogation, hein, je donne pas la réponse. Ensuite, on a autoroute, la réserve, donc storage. On a, je cherche le mot en anglais, même si c'est écrit en français là, mais... Le closet. Là, on a EDF. Ici, donc, on a Pilar. Ici, on a Sheiko. Ici, on est sur le blue, T1 et T2. Mm-hmm. En dessous de l'escalier, là, à droite de l'escalier. Harry Potter. Mm-hmm. On a tout rouge ici, donc avec la passerelle. Ouais, ouais. Ici, du coup, on a carré. Ouais. Ici, on a games. Ouais. Ensuite, on a kids. Mm-hmm. Le T1. Le T1 qui est qui là. Qui donne vers quoi? Qui donne vers, du coup, le dressing. Et là, t'es où, là? Ici, là, on est trophy, master, dressing. Ouais, là-bas, à gauche. Espoir, armurerie, là. Franchement, c'est très bon. Je suis pas sûr que d'autres personnes auraient fait aussi bien. Lecture de la boussole RS. Non, c'est pas vrai. Parce que, par exemple, je l'attendais sur des trucs genre le green. Si tout le monde connaissait les calls comme ça sur Rainbow Six, le niveau serait bien supérieur. Ok, on est sur toi, Mopiz. Si je fais une plante défaut et qu'on est en 2v2 sur une plante défaut en A, ou essaie de me faire voir un schéma assez classique de ce qui pourrait se passer. Où est-ce que c'est planté? Où sont les attaquants, etc., etc. Ok, bah alors, on poserait ici plante défaut. Mm-hmm. Et dans l'idéal, il y aurait quelqu'un qui se mettrait pilar. Ok, ici, pourquoi? Pour tenir la ligne sur le fridge. Attends, je réfléchis. Ça dépend. Si on a quelqu'un dans le fridge, ce qui n'est pas dans notre stratégie, eh ben, on mettrait plutôt quelqu'un pilar. 2v2. Couvrir. 2v2. Vous êtes en 2v2. Ton pote est en train de planter défaut et toi, t'es en train de faire quoi? Bah, on le couvre. Ouais, et tu serais à peu près où? Bah, ici, ça tiendrait le fridge. La réponse n'était pas forcément mauvaise, mais l'explication derrière, elle ne l'est pas. Le mur qui est à ta gauche, là, il serait comment, à ton avis? Ouvert. Enfin, ok, balance une impact dedans. Ok, mets-toi au niveau du pilier, derrière le pilier. Et je veux que tu visualises ton pote en train de planter. Où est-ce qu'il peut y avoir des gens qui vont arriver? Les deux méchants, où sont-ils? Quelqu'un pourrait passer... Voilà, tu viens de prendre la ligne que j'aurais voulu que tu me dises. La raison de pourquoi le pilar est beaucoup plus important qu'une sortie du fridge. Puisque la sortie du fridge sert à rien. Ici, c'est tout. Et à droite, au niveau de la highway, c'est tout. Et quel est le troisième endroit, du coup, où il pourrait vraiment y avoir quelqu'un qui vient niquer les deux autres endroits, vraiment en une seconde, malgré le fait que tu sois là et que tu couvres, ton pote meurt. Dans le blue ? Ouais, bien. Pourquoi ? Le mec était où ? Pourrait être ici. Ici, je peux, si c'est ouvert. On est en 2v2, hein. Les deux mecs étaient sur l'autre bomb site. Il y en avait un qui était dans le freezer à peu près et l'autre qui était sur le bomb site laundry, ou alors il était en train de roamer dans le main et il est revenu parce qu'on dit ça plante. Quelqu'un qui arrive à le tuer alors qu'il est en train de planter là. Ouais, d'où est-ce qu'il faut avoir peur? Où est-ce qu'il peut passer le mec là?
Bah accroupi. On s'en fout là, parce que ça serait pas pété de la même façon. Mais où est-ce qu'il peut passer? Pour venir tuer ton pote qui vient de planter la bombe là, où est-ce qu'il peut passer? Il peut soit passer de cette rota là, ou soit il passe directement dans les archives, dans le closet. Il faut qu'il ait une ligne directe pour venir tuer ton bonhomme, ton pote. Bah non, en passant par ici. Ouais, c'est une possibilité ça, tu prends l'autoroute, mais au niveau du blue. Ah oui, bah oui, ouais. Mm-hmm. Du coup là, s'il passe par là, bah moi je le verrai pas. Ok. Parce que moi j'ai la ligne que sur là. Et il y aura un angle fermé. Ouais, en gros, il passe au niveau du T2 qui a été ouvert, machin, et puis il vient faire le cul de ton pote en arrivant là à l'angle où t'étais, mais bon, genre le smoke qui s'est pas fait jouer, qu'on a maintenu, qui est revenu sur site, derrière l'étagère, mais soit il coupe l'étagère par la droite, par la ligne que t'as prise, et il vient jouer ton pote en contact, soit il passe par le T2 et il vient jouer dans le blue, quoi. Donc t'es obligé d'avoir ce truc en tête. Parce que si t'as pas cette capacité de réflexion de te dire que ça peut arriver, c'est problématique. Et enfin, quel est l'autre endroit sur lequel on peut avoir une ligne directe et sur lequel tu ne peux absolument rien faire si t'es au pilier? Je t'aide. Le seul endroit où je peux rien faire si je suis au pilier, c'est dans le fridge, non? Ouais. Si le gars... Regarde-moi, je suis en train de planter non. Là. Ouais, non, justement, la plante défaut permet... Si on se plante défaut à l'ancienne, on est mort du fridge. Si je plante ici, où est-ce que je peux mourir directement? Un C4? Ouais, bien, c'est une... Bien. Par où le C4 il arriverait? Soit par le T2 ou soit directement à la rota... Ouais, par-dessus. Ok, par-dessus l'étagère. Et où est-ce qu'il se ferait tirer dessus en direct et tu ne peux rien y faire? Fais comme si t'allais planter. Ok? Retourne-toi. Lève la tête. Tu penses pas à un moment qu'il y a un mec qui sait exactement ce qui est en train de se passer et qui se dit « Bah attends, moi je suis en roaming dans le main, je reprends la meeting puisque la trappe de toute façon a été ouverte. » Tu peux rien y faire. J'y ai pas pensé. Eh bah il est là le problème. Un Rainbow Six, avant de jouer avec son aim et sa nouvelle souris, etc., faut jouer avec son cerveau, quoi. Si tu vois pas ce genre de problème, c'est compliqué parce que tu peux pas anticiper les réactions des autres, quoi. Donc si t'as pas ce qui s'appelle clairement et communément du... game sense, du sens du jeu, la vision de jeu, alors et que tu peux pas anticiper les déplacements des autres, t'as intérêt d'avoir un aim 100%, hein. T'as intérêt d'être un aimbot humain. C'est pas possible de pas savoir des trucs aussi simples, quoi. Il y avait 100% du chat qui l'avait, hein. Parce que si vous comprenez pas d'où est-ce qu'une personne peut passer, vous pouvez pas savoir comment est-ce qu'il faut attaquer. Let's go, on fait la même chose. Fais-moi un schéma, on est en 2v2, s'il te plaît, fais-moi rêver. On est en 2v2 sur 70% des games. La bombe est plantée ici. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? La bombe, elle est posée défaut. Ouais. Toi, t'es en attaque, 2v2. Ton pote, il est en train de planter défaut. Toi, t'es où? Mon pote, il est en train de planter là. Moi, je suis... Bah, dans la logique des choses, je suis là. En fonction de tes attaques, etc., c'est beaucoup plus... C'est moins linéaire qu'une attaque basement, pour le coup, celle-là. Il y a quasiment 4 endroits, au final, où tu pourrais te retrouver, quoi. Allez, je vais dire 5, même. Il y a 5 endroits... Ou toi, en deuxième personne, tu vas pouvoir te retrouver. Quels sont-ils? Avec nos strats, hein, rien de réinventé. Ici. Mm-hmm. Bah, du coup, j'imagine que le terrain, il est ouvert. Ouais, absolument. Soit je me mets contact à la porte. Si tu te mets au niveau du T1, etc., là, quels sont les trucs que tu peux couvrir? Quels sont les trucs que tu auras du mal à couvrir, du coup? Bah, je peux couvrir le bac de celui qui plante. Mm-hmm. Mais je pourrais le pas... Le bac, pas vraiment, mais... Enfin, là, au niveau qui mène à Kids. Ouais, ok, ouais. Et quel est le truc plus difficile à couvrir? Soit là, il est cochon. Pourquoi ou cochon? Soit, ouais, là. Soit, cochon, là. Il a pas de ligne directe sur le planteur. Non, mais je pourrais pas assurer ici, parce que sinon, faudrait... Ok, plus à couvrir, non, c'est bien. C'est quoi, ici? Je sais pas ce que c'est ici. Ici et là, c'est pas des calls. Babi, mur cassable au Babi. Je sais pas si y a un nom en fait. Top white. Ah là, top white, merci. Parce que le défenseur, il va pas être là. Hein. Enfin, il y a peu de chance, ok? Non, avec ton pote qui plante à côté. En revanche, qu'il soit ici, ouais, ça c'est un truc qu'on pourra souvent voir. Et quel est l'autre endroit où on pourrait se retrouver sur nos attaques? On le fait pour le coup. Bah, je peux me retrouver ici, non? Pourquoi tu te retrouverais ici? Ah, oh. Où est-ce qu'on attaque quand on attaque au top? Attic et le Laundry Master. Okay, donc, par définition, quand t'es en train de planter, où est-ce que tu pourrais être? Bah, dans le cochon. Ouais, par exemple, ouais. Cette logique qui est extrêmement importante et qui fait la différence entre les joueurs ok et les joueurs très mauvais, c'est est-ce que je peux planter? C'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les mauvais joueurs. Excelsior, du coup, à quoi ressemblerait à peu près un setup très basique si on était amené à défendre la kitchen meeting? Du coup, on aurait une rota là sur le niveau du flag. Mm-hmm. Ensuite, on aurait aussi une rota au niveau de la security. Mm-hmm. Pourquoi? Défendre la sécurité parce que vu qu'il y a deux murs sauf qui font au niveau de la sécu, c'était compliqué de la perdre, donc on peut la défendre. Attends, répète la logique sur la sécurité. C'est comme pour le blue sur le
basement, c'est qu'on on peut pas la perdre la sécu, parce que si elle est prise, c'est plus simple de prendre le. Ils ont plus d'entrée quoi pour prendre la kitchen. C'est pas plutôt parce que c'est. Attends, Mopis, attends, c'est bon, toi t'as eu ton truc, t'as fail, donc laisse-le répondre. Ouais, du coup, avec, c'est faut pas la perdre parce que c'est plus. Enfin, si on la perd, on perd le BP en fait. Enfin, on s'épouche de la sécu. Oui, et, mais c'est surtout parce que c'est une power position, parce qu'il y a qu'une aussi, verticalité oui. positive dessus quoi. C'est absolument horrible à prendre pour un attaquant. Et si c'est horrible à prendre pour un attaquant, alors c'est sympa à défendre pour un défenseur quoi. Et ça te permet en plus de rotate à peu près partout quoi. Ok, quoi d'autre? Déjà on renfaut la trappe kitchen. On ouvre la trappe attic pour défendre l'attic. On renfaut le T1 attic sur le ping, au-dessus du ping. Ouais. Bien sûr, on renfaut aussi le mur T1 backstage. Ouais. Et on renfaut aussi les murs flag. Et je crois que j'ai fait le tour si j'ai pas de bêtises. D'accord. Non, c'est pas déconnant. Du coup, maintenant on se place en attaque. En deux secondes, elle ressemble à peu près à quoi l'attaque? L'attaque, on prend le contrôle de la tour rouge, on prend le contrôle de l'attic. Ok, fais-moi une attaque dans les règles de l'art. C'est-à-dire, où est-ce que tu veux planter et tu fais une rétro-stratégie, quoi. Ok, moi je veux planter en dessous de la trappe attic. Donc on prend en dessous de la trappe, où ça? Ici, là. Tu veux planter là? Là ou sur la scène? Ah bah je sais pas, c'est là ou c'est sur la scène? Ouais, c'est Rainbow Six, hein, à un mètre près, il y a un gros détail quand même. Je dirais de mémoire la scène, que du coup on a une meilleure vue sur... Enfin, une meilleure vue, on peut... mieux défendre sur par rapport à l'attic, on a pris l'attic et aussi on open le T1 donc c'est plus simple aussi. Qu'est-ce qui fait qu'une plante défaut est une plante défaut? Bah, c'est une plante qui est strong pour les attaquants. Qu'est-ce qui fait qu'elle est strong? Faut que les défenseurs soient hyper agressifs sur pour défendre la plante défaut. Un peu une plante safe en fait. C'est une plante safe de quoi? Pour les attaquants, ils sont protégés des lignes qu'on peut okay, avoir par stop, exemple. C'est bon, tu viens de le dire. Donc okay. C'est normalement un endroit sur lequel c'est le plus viable de planter. En gros. Donc en fait, on arrive en plantant à cet endroit-là à se dire que c'est l'endroit à peu près le plus safe, moyennant le fait de ne pas utiliser de gadget, sur lequel il y a le moins de lignes possible, et surtout sur lesquelles les lignes sont couvrables par des personnes qui peuvent te couvrir. Typiquement, par exemple, ici, l'ancienne plante défaut n'est plus une plante défaut, puisqu'elle m'oblige à aller prendre le freezer parce que je suis exposé ici. Parce que il n'y a pas de ligne directe. J'ai la capacité, avec une personne au niveau du pilier, et avec mon son à deux, quasiment, et un drone laissé dans le meeting, je peux planter ici. Pourquoi est-ce que tu me dis d'aller planter en plein milieu du meeting sous la trappe? Je sais pas, j'ai pas réfléchi sur le coup, mais la scène. Ok, et d'où alors sur la scène? Où est-ce que t'as envie de planter sur la scène? Genre là, juste derrière le pupitre. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et pourquoi le pupitre? Pourquoi ici? Et pourquoi un peu, d'un point de vue probabilité, moins là? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, dans le meeting, tu vois, là je te dis, à un mètre près, il y a une grosse différence entre là et là. Ah oui, le ping 1, le ping 4, du coup, si on a une rota ici, on l'a plus facilement déjà. Non, on s'en fout non. de la pré-plante. Non. L'important, c'est, okay. c'est planter. Moi j'ai un blanc là, j'ai un gros blanc. Il n'y a pas de blanc, c'est pas du parkour, c'est juste de la logique. Ouais, attends, pourquoi tu l'as dit que en fait. Là, t'as dit, un endroit qui est safe, c'est un endroit sur lequel il n'y a pas des lignes et sur lequel les défenseurs doivent être agressifs. Si les défenseurs doivent être agressifs sur un truc, c'est qu'ils sont obligés de bouger. C'est quand on bouge que c'est risqué pour nous, d'accord? Ouais. Donc par définition, à un mètre près, quelle est celle qui est le plus avantageuse pour nous parce qu'elle nous ouvre à moins de lignes? Bah celle-là est plus safe. Pourquoi? Parce qu'on peut pas nous prendre par rapport au flag, on peut pas aussi nous prendre par rapport à la rota kitchen. Ah vas-y, baisse-toi, tu verras. Hein. Bah, après, planter, l'animation est pas la même. Là, je peux t'avoir quand même. Oh, avec le petit machin, avec l'action de planter, peut-être que je vois juste le bout du béret, c'est pas sûr. Mais vas-y, redis ce que t'as dit. Bah, que du coup, si je plante vraiment ici, le flag, normalement, je suis couvert du flag, même avec mes mates qui doivent être, qui sont au niveau attic et backstage. Pareil, je suis couvert aussi de la rota kitchen, vu que la table, elle est pas traversable non plus. Et bah, va jusqu'au bout. Quelle est la probabilité que sur le 2v2 que tu es en train de jouer, par exemple, il y a un mec qui arrive au flag et la probabilité qu'il y a un mec qui arrive à la rota kitchen? Bah, c'est plus grande probabilité qu'il arrive kitchen. Ok, donc c'est bien une fois de plus une question de probabilité de se dire je vais plutôt me mettre ici, d'accord, et je vais me tourner ou pas parce que j'ai peur de la rotation de la kitchen. Et en plus, ici, j'ai deux effets qui se coulent. Premièrement, je me mets ici parce que bah, j'ai la rota de la kitchen, plus j'ai la droite du flag. Et à gauche, bah, j'ai que la gauche du flag, quoi. Si le mec à gauche du flag décale, bon, bah, je l'ai dans le cul, peut-être. Autrement, c'est juste une question de probabilité et de fait d'être safe. Okay. Mopis, vu que tu faisais le con, tu répètes, d'accord. Exactement tout ce que je viens de dire. Alors, si on plante ici, il y a la cover. Enfin, il y a quelqu'un qui se met en haut au cas où je meurs pendant que je plante. En plantant, je suis couvert avec la table. Du mur, enfin s'il y a quelqu'un qui passe par là. Si on est dans la logique, il y aura certainement un drone kitchen qui nous préviendra si il y a quelqu'un qui kitchen. Et même s'il y a quelqu'un qui kitchen, celui qui est tout en haut, il pourra avoir la ligne sur le gars Rota kitchen. T'as rien écouté quoi? Et
T'es sûr? Bah si, j'ai écouté la majorité des choses. Ah, la majorité des choses. Bah oui. J'ai parlé de 2 points sur la scène. Oui. Ok, et j'ai dit pourquoi est-ce qu'on choisirait l'un plus que l'autre alors qu'ils ne sont pourtant que de 1 mètre séparés. Puisqu'il y a une table en fer qu'on ne peut pas tirer à travers. J'ai dit ça? Non. Bah pourquoi tu le dis alors? Parce que c'est vrai. Bon, après, tu viens de comprendre que t'écoutes que dalle en fait, d'accord? Oui. Ok, donc ça c'est carton jaune, prochaine fois c'est carton rouge, d'accord, et c'est finito en fait. Donc demande à quelqu'un de te TK, comme ça ça t'évitera, et tu restes sur moi, et t'écoutes ce que je te dis. Et Mopiz, tout à l'heure, les 4 endroits où j'avais à peu près envie de te voir dire où il pouvait y avoir du monde, ça peut être là, hein, dans le cochon. Le trophée, ça peut être là, très probablement, je suis en train de couvrir mon pote qui est en train de planter, avec bien évidemment sûrement une prise de la tique qui a été faite avant. Bon, donc j'ai un peu peur effectivement du trou de rotation qui est là au niveau de la kids, mais bon, j'aide mon pote quoi. Là j'ai la meilleure des couvertures quoi, là il y a juste la verticalité que je peux pas au moment où je suis en train de couvrir mon pote Excelsior qui est en train de planter. Là, le seul problème ici, c'est si un mec qui sort ici, bon, je me fais défoncer quoi. Ici, je suis en plein milieu de la porte. Et position 5, ma souris est vraiment, vraiment, vraiment morte. Position 5 ici. Toi aussi, c'est une autre possibilité, d'accord? Après, si ton pote est en train de planter, c'est pas génial, mais par exemple, si tu fais partie des personnes qui sont obligées de comment dire, une OSA qui se fait énormément, même en pro, qui viendrait en fait couper les rotations, bah, c'est gratos de venir à cette fenêtre quoi. Et puis ça donne quand même pas mal de lignes, en particulier celle-là qui est intéressante et qui en empêche un play direct d'une personne qui va remonter sur le white là pour aller tuer mon pote qui est en train de diffuser ici. Donc ça, okay. C'était les 5 trucs. Mais bon, c'est un peu plus... C'est pas si simple. Okay.